Bonjour Xavier Vuitton. Bonjour. Vous êtes directeur du théâtre des Beaux-Arts, du Café de Théâtre des Beaux-Arts et du Victoire à Bordeaux. Exact. Alors, parlez-nous de cette aventure, parce que le Café de Théâtre des Beaux-Arts, il existe à Bordeaux depuis un certain nombre d'années maintenant. Oui, je crois que cette année, ça va faire 7 ans. 7 ans. Et tout récemment, donc, vous venez d'ouvrir le Victoire. Alors, depuis un petit peu moins de 2 ans, on a ouvert le grand frère. Je dis grand frère parce qu'il est un peu plus grand que le Café Théâtre, mais si on est en chronologie, c'est le petit frère, le Théâtre Victoire, oui, à côté de la place de la Victoire, donc. D'où son nom. Comment, tout d'abord, a commencé l'aventure du Café Théâtre des Beaux-Arts? Alors, le Café Théâtre des Beaux-Arts, en fait, a commencé alors que j'étais moi-même directeur de compagnie. Et j'en avais un petit peu marre, j'étais un petit peu lasse de devoir prendre sans arrêt mon téléphone pour essayer de convaincre un producteur, un diffuseur, un patron de collectivité territoriale pour arriver à rencontrer le public. Et l'idée que j'ai eue, c'était d'avoir un lieu dans lequel je n'aurais pas d'intermédiaire entre moi et le public. À Bordeaux, il n'y avait pas de café-théâtre à proprement parler, c'est-à-dire pas de lieu où on peut se restaurer, boire un verre et assis à la table regarder les spectacles, qui est une tradition que je n'ai pas inventée, qui existe depuis de nombreuses années, mais il n'y en a plus en province quasiment, et à Paris, je crois, très peu. Et surtout, maintenant, c'est le cabaret qui s'est octroyé un petit peu ce genre-là. Et je me suis dit, je pense que le public a peut-être une demande vis-à-vis de cela. En tout cas, moi, c'était mon plaisir de faire ça. Évidemment, quand on a un plaisir, le but, c'est d'essayer que son plaisir soit partagé. Et c'est ce qui s'est passé. Le café-théâtre a très, très bien fonctionné dès le départ parce qu'on répondait à une attente de convivialité, de chaleur, même si ce sont des mots un petit peu génériques qu'on utilise dans le théâtre. Mais là, véritablement, on se situe au carrefour entre une soirée entre amis assis à une table à boire un verre et manger une assiette casse-croûte et une pièce de théâtre où là, plus personne ne parle, plus personne ne bouge, le service s'arrête et on regarde le spectacle. Et puis hop, une fois que le spectacle est terminé, on revient dans la soirée pour discuter de la pièce, les comédiens descendent dans la salle, il y a un vrai partage. Et en même temps, j'ai souhaité que sur scène, là aussi c'était une volonté propre, ce soit que des gens de statut professionnel qui évoluent sur la scène. Donc ce qui fait qu'on a un résultat, une espèce de mélange, un cocktail un petit peu, qui paraît être nouveau aujourd'hui parce que ça s'était perdu avec le fil du temps et puis de tout un tas de choses qui se sont passées dans les époques précédentes qui ont fait que ce genre-là n'existait plus. Voilà comment est née cette idée-là. J'ai recherché des locaux à Bordeaux et j'ai eu la chance, alors là c'est un petit coup de chance, avec la pugnacité dont nous avons pu faire preuve, toute mon équipe et moi-même, on a trouvé un local qui était magnifiquement bien placé, juste à côté du conservatoire, pas loin du TNBA, qui est la cathédrale du théâtre à Bordeaux, et on a qui était anciennement chez Gabi Musique, pour ceux qui fréquentent le conservatoire. Et là, on a décidé d'en faire de ce lieu un véritable petit café-théâtre. Donc au Théâtre Victoire, comme au Café Théâtre des Beaux-Arts, on vient surtout voir des pièces comiques. Alors oui, on a axé notre programmation en grande partie, je vais dire à 80% au café-théâtre, sur le répertoire de divertissement. J'utilise plutôt le mot divertissement que comique, parce que le mot comique correspond dans la tête de chaque personne à quelque chose de différent. Ce n'est pas de moi, mais on dit souvent qu'on ne pleure pas, on pleure tous, pardon, de la même chose et on ne rit pas de la même chose. Alors, le comique, voilà, sauf qu'on vient quand même pour se divertir, qu'on rit, qu'on pleure, qu'on ait quelque émotion que ce soit. C'est vrai qu'au café-théâtre, on prend un peu plus de risques, c'est-à-dire qu'on aborde parfois un répertoire d'émotions, un répertoire historique, un répertoire littéraire. On a fait Sherlock Holmes, on a fait La Dame aux Camélias, on a fait Oscar et la Dame Rose. On va aborder Le Souper de Briseville, qui est une pièce historique. Voilà, des pièces un petit peu qui sortent du répertoire, entre guillemets, de comédie. Par contre, au Théâtre Victoire, on est plus dans la grosse comédie contemporaine, populaire au sens noble du terme, même si ça n'a jamais été pas noble de dire populaire, mais ça l'est devenu un petit peu galvaudé, pareil. Donc là, c'est des comédies qui rassemblent beaucoup de monde parce que c'est un rire universel. Ce sont des choses qui font rire parce qu'elles touchent tout le monde, que ce n'est pas méchant, que c'est gentil, et qui donnent au public la sensation, après avoir vu la pièce, d'avoir passé une excellente soirée à se bidonner. Et ça, ça a été un petit peu la marque de fabrique du Théâtre Victoire. Et alors justement, il y a une pièce qui se prolonge et qui se prolonge éternellement, tellement et ça remporte un franc succès, c'est le Clan des Divorcés. Fameux Clan des Divorcés. En fait, il y a deux comédies actuellement en France qui remportent un succès
populaire et en nombre de fréquentations incroyable, ce sont les Baudins, d'un côté, et le clan des divorcés, qui pour autant ne rencontrent pas la faveur des médias. Contrairement à vous, qui êtes là pour en parler, et qui ne rencontrez pas, parce que là, ça y est, les médias commencent vraiment à s'y intéresser, parce que quand on fait des succès populaires où il y a plus de 2 millions de personnes qui viennent voir une pièce, on commence à se dire, il doit y avoir quelque chose derrière. C'est le cas pour le clan des divorcés. Et donc, on a la chance de collaborer avec l'auteur du clan, qui est Halil Vardar, depuis les débuts du clan, depuis que cette pièce est née à Toulouse, dans un petit théâtre, un petit café-théâtre, petit, c'est pas péjoratif, dans un café-théâtre qui s'appelle Les 3T, exactement. Et donc là, on était à l'origine, mon partenaire et associé sur les lieux qui s'appelle Nicolas Delas en a été le premier décorateur. Grâce à cette pièce, Halil Vardar a créé des théâtres à Paris. Il en a été aussi, Nicolas Delas a été aussi le premier décorateur des spectacles parisiens. Et actuellement, là c'est une nouveauté, presque un scoop, il va y avoir la série télé qui va sortir sur la chaîne Comédie Plus, puisque c'est le groupe Canal Plus maintenant, la chaîne Comédie, qui sort le 11 février. Et là, Nicolas en est le décorateur et moi j'ai pu avoir la chance d'être le directeur d'acteur sur cette série. Donc c'est une famille, le clan des divorcés, que nous connaissons bien, l'auteur que nous connaissons bien, son frère qui est aussi partie prenante. C'est un puissant fond en termes de succès parce que, pareil, il a touché quelque chose dans cette pièce en termes d'efficacité du rire. C'est marrant parce que c'est le genre comédie est le seul genre où on parle d'efficacité. En théâtre et en art même, c'est presque vulgaire de dire efficacité parce que ça voudrait dire que pour être efficace, pour être artistique, il faut être efficace. Or, on le sait, l'art, c'est le contraire de l'efficacité. En tout cas, on pourrait épiloguer là-dessus. En termes de comédie, ce que nous, on appelle efficacité, c'est quand on dit quelque chose sur scène et qu'il y a un impact dans la salle, c'est-à-dire que le public se marre. Là, le clan des divorcés, c'est une folie pour ça. C'est que non seulement le public se marre, mais se marre énormément. C'est-à-dire qu'on a pratiquement, sans vous mentir, pas 5 secondes sans que le public éclate de rire. On a un rire pratiquement tous les 5 secondes. Vous savez, quand on est dans le hall, là, et que le spectacle a lieu dans la salle, derrière nous, si on n'entend pas rire pendant 10-15 secondes, on s'inquiète. On se dit, oulala, ce soir, le public, il est froid, il est terriblement froid. C'est bizarre, hein ? Et c'est ça qui fait que le clan rencontre un tel succès, c'est qu'il a rencontré l'humour générique, l'humour universel. C'est des choses qui sont dites, pas méchantes, qui touchent à peu près tout le monde. On sait que pratiquement un couple sur deux divorce, donc connaît cette étape-là et a envie de se détendre avec ça, d'en rire. Et en plus, toutes les petites perfidies qui peuvent être dites sur les hommes, dans la pièce, très particulièrement, est dit par un homme. Un homme qui joue le rôle d'une femme. Et ça fait qu'en fait, rien n'est méchant. Tout est classe. Et en même temps, il y a peu de grosses vulgarités. Évidemment, il y a toujours quelques grossièretés dans toute pièce. Mais la grossièreté, qu'est-ce que c'est ? Ma foi, on en utilise tous les jours.